Rebonsoir madame. Aujourd'hui, voilà un autre jour pour notre formation où nous sommes en train de voir comment mettre en place un système de prospection sur les réseaux sociaux, histoire de donner plus de visibilité à son business et d'augmenter son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie à 8 étapes pour booster votre business, peu importe le type de business que vous faites, que vous soyez dans l'e-commerce, que vous soyez dans l'investissement, que vous soyez dans la vente des produits de santé, etc. Ces 8 étapes vous permettront simplement de mettre en place un système de recrutement massif pour votre business. Et comme vous serez d'accord avec moi, lorsque nous sommes dans un business comme le marketing de réseau, plus vous trouvez des prospects qui décident de vous rejoindre dans votre opportunité, plus votre réseau s'agrandit et plus le réseau s'agrandit, plus vous gagnez mieux. Et justement, c'est là où beaucoup de problèmes, là où beaucoup de networkers rencontrent deux problèmes, c'est la prospection. Lorsque vous allez continuer avec la prospection à l'ancienne, qui est de faire votre liste de noms, de publier votre lien d'opportunité sur les réseaux sociaux, vous allez constater que au lieu de trouver des personnes qualifiées ou des personnes qui décident de vous rejoindre, vous allez vous rendre compte que les gens ne s'y intéresseront pas ou les gens peut-être vont hésiter à vous rejoindre. C'est simplement parce que nous ne suivons pas les bonnes méthodes ou la bonne stratégie. Mais au travers de ces 8 étapes, vous allez découvrir la stratégie et la méthode que moi j'utilise pour vraiment booster mon business. Alors, avant de parler de ces 8 étapes, simplement vous permettront, comme je l'ai dit, de créer un système de recrutement massif. C'est un système justement qui vous permet d'attirer des prospects en illimité et au fur et à mesure que vous les attirez, le système vous permet de les convertir soit en des clients, soit en des distributeurs pour votre business ou soit en des ambassadeurs, les gens qui feront la promotion de votre business. Et nous allons aller étape par étape pour voir comment créer ce système ou cette machine à recrutement massif. Alors, la première étape que beaucoup ne suivent pas, c'est la définition de vos prospects idéaux. Que vous soyez dans un business de MLM, vente de produits physiques, vente de services, vente de prestations, ou un business d'investissement de e-commerce, vous devez d'abord définir qui sont vos prospects idéaux. Sans définir vos prospects idéaux, alors vous serez comme quelqu'un qui est en train de battre de l'air, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de communiquer dans le vide. Votre communication doit avoir une cible. Lorsque je prends quelqu'un qui est dans un business de marketing de réseau, et qui désire faire la prospection, si vous ne définissez pas vos prospects idéaux, alors vous allez beau publier ou parler de votre opportunité et peut-être vous allez tomber sur les mauvaises personnes qui ne vous rejoindront jamais. Alors, je l'ai dit, la première étape pour réussir votre business, c'est de définir qui est votre prospect idéal? Et lorsque je prends un business comme ce que vous faites, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, mais qui sont mes prospects idéaux? Ou simplement, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, mais c'est qui un prospect idéal? Le prospect idéal, c'est simplement le prospect qui partage le même centre d'intérêt
ou un centre d'intérêt plus ou moins égal ou similaire à votre business. Si vous êtes dans un business de santé, votre prospect idéal, donc, c'est celui qui a plus ou moins un intérêt quelconque pour le domaine de la santé. Si vous êtes dans un business d'investissement en ligne, votre prospect idéal à ce niveau, c'est celui ou celle qui a un penchant ou un amour particulier ou un intérêt particulier pour tout ce qui est investissement. Et lorsque vous êtes dans un business de fitness, de sport ou quel que soit le domaine, il faudrait que celui-là que vous devez cibler partage un centre d'intérêt similaire à votre business. Et lorsque je reviens en arrière par rapport au business que vous m'aviez montré hier, j'ai noté trois choses. Il y a de l'e-commerce, il y a de la crypto-monnaie, il y a la thématique santé. Du coup, à ce niveau, si vous voulez réussir votre prospection pour le business qui parle de la santé, vos prospects idéaux à ce niveau, ce sont ces personnes qui sont sur Internet et qui partagent un centre d'intérêt plus ou moins similaire ou égal au domaine de la santé. C'est-à-dire, c'est des gens qui, naturellement, ont un penchant pour ce domaine. Et comme ça, le courant passe beaucoup plus vite, le message passe beaucoup plus vite et ça rend la prospection facile. Imaginez un instant que vous prenez votre business d'investissement et que vous commenciez à prospecter un monsieur ou une dame qui n'a aucun intérêt pour l'investissement, lui qui que l'investissement c'est de l'arnaque, il croit peut-être que ces choses-là ne fonctionnent pas, ça ne marche pas, il a perdu de l'argent, du coup, il n'a plus aucun intérêt pour l'investissement. Si vous tombez sur ces genres de personnes, alors ils vous rendront la vie difficile du point de vue prospection. C'est pourquoi, pour éviter de faire face à des situations de rejet, à des situations d'objection, où vous allez rencontrer des individus, en voulant leur parler de votre opportunité, ils vous diront simplement, Madame, je ne suis pas intéressé par vos histoires-là. Ils vont vous refouler, ils vont simplement vous rejeter. Si vous ne voulez pas être dans ce cas de figure, la meilleure stratégie et la meilleure façon de faire, c'est de définir celui ou celle que vous voulez prospecter, c'est-à-dire le prospect idéal. Celui-là qui a un intérêt particulier, un intérêt minimum pour le domaine dans lequel votre business se trouve. Et selon votre cas, vous êtes dans la santé. Vous êtes dans la crypto-monnaie, vous êtes dans l'e-commerce. Il y a des individus qui ont de la passion ou qui ont un penchant pour les investissements en ligne. Ces personnes, quand vous tombez sur eux, alors le courant passe beaucoup plus vite. Il y a des individus qui sont passionnés de tout ce qui est santé. Quand vous tombez sur eux, le courant passe beaucoup plus vite. Il y a des individus qui ont un Va penchant passer une particulier très bonne nuit. pour tout ce qui est crypto-monnaie. Et du coup, lorsque vous tombez sur ces personnes, le courant passe beaucoup plus vite. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je vous Alors, écoute. à partir donc de cet instant, la première étape pour réussir votre prospection et créer un système de recrutement massif, c'est de définir vos prospects idéaux. Et une chose est de définir le prospect idéal. La deuxième chose, c'est de localiser ces prospects idéaux. Numéro un, vous aviez défini avec qui vous voulez travailler. Quelles sont ces personnes vers qui vous voulez partir? Deuxième étape, il faut savoir là où trouver ces personnes. Et lorsque je prends Internet, vous devez comprendre que vos prospects sont sur Internet. Surtout avec la situation de COVID actuelle,
qui est en train de sévir et qui est en train de révolutionner le monde du marketing. Tout devient de plus en plus digitalisé. Et du fait que tout est en train de tourner vers Internet, vous devez comprendre donc que vous n'avez plus le choix que d'apprendre comment utiliser Internet ou les réseaux sociaux pour aller vers vos prospects, parce que vos prospects y sont. Facebook à lui seul aujourd'hui compte près de 3 milliards de personnes connectées qui ont un compte. Et si vous avez un business, ça veut dire forcément, parmi ces 3 milliards de personnes, il y a des individus qui font partie, qui ont le profil de votre prospect idéal que vous recherchez. Et la grande question qui serait posée alors, c'est comment localiser ces personnes pour aller les chercher, pour les intégrer dans votre business. Et lorsque je prends Facebook, je prends WhatsApp, je prends Instagram, je prends LinkedIn, je prends YouTube, je prends Google, voilà des plateformes sociales que nous pouvons utiliser pour localiser nos prospects idéaux. Je vais prendre l'exemple typique de Facebook. Aujourd'hui, grâce à son algorithme, Facebook détient une base de données très, très solide de tous ceux qui ont un compte. Autrement dit, un individu qui se trouve en France, Facebook détient ces informations et sait que telle ou telle personne vit à tel endroit et a un centre d'intérêt qui est égal à telle chose. Du coup, nous avons la possibilité aujourd'hui, grâce à des stratégies de marketing sur Facebook, de faire une publication et montrer la publication uniquement à ceux qui correspondent au profil que je recherche. Je vais aller dans la pratique. J'ai créé une publication en disant ceci. Envie de gagner de l'argent en 2020, mais tu ne sais comment faire. Je vais te montrer comment multiplier tes sources de revenus juste en te montrant comment fructifier ton argent. Si tu es intéressé par ça, inscris-toi pour cette formation gratuite. Lorsque je fais cette publication sur Facebook, et que je n'ai pas ciblé les différentes personnes qui doivent voir ma publication du point de vue prospect idéal, vous allez constater que certaines personnes peuvent s'intéresser à ça, comme certaines personnes peuvent ne pas s'intéresser à ça. Mais ceux qui vont s'intéresser à cette publication et vont aimer ou bien commenter ou bien s'inscrire, ce sont des individus qui ont un centre d'intérêt, c'est-à-dire qui ont un penchant particulier pour l'investissement. Alors, il est très important de définir qui sont vos prospects idéaux. Une fois que vous les définissez du point de vue, vous pourrez les définir du point de vue âge, du point de vue profession, du point de vue localisation géographique, du point de vue statut marital, du point de vue statut matrimonial, du point de vue race sociale, du point de vue centre d'intérêt, etc., etc. Et la meilleure plateforme pour vraiment localiser et tomber sur ces personnes de façon bien pointue et bien ciblé, c'est Facebook. Grâce à Facebook, aujourd'hui, vous pourrez simplement créer une publication ciblée en choisissant ou en définissant votre audience vous-même, et l'algorithme de Facebook ira simplement montrer votre publication aux personnes choisies ou aux personnes que vous aviez prédéfini vous-même. Et en faisant comme ainsi, vous ne perdez plus votre temps
a publié à longueur de journée sur Internet. Vous faites juste une publication et vous croisez les bras et l'algorithme de Facebook se met à faire le travail à votre place et ça vous génère vraiment des leads. Et lorsque c'est comme ça, vous allez attirer des prospects ou des leads illimités. Des prospects en illimité, mais cette fois-ci, des prospects vraiment qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui partagent déjà le même centre d'intérêt que votre business. Mais si vous ne faites pas ça et que vous ne passez pas par cette étape, vous allez publier, c'est vrai, vous aurez peut-être quelques j'aime, quelques commentaires, mais en fin de compte, vous pourrez peut-être attirer des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui vont perdre votre temps et que vous ne pourrez jamais convertir. L'objectif ici, c'est d'apprendre comment créer un système de recrutement massif dans votre opportunité, dans votre business. Et si vous voulez vraiment le faire, vous devez passer par ces 8 étapes que je vais vous dévoiler. La deuxième étape, c'est de localiser votre prospect. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser Facebook grâce à sa stratégie de ciblage d'audience et vous pourrez vraiment tomber sur les personnes qualifiées. Autre plateforme qui est indiquée pour votre ciblage, c'est Google. Si vous êtes dans un pays où les gens ont l'habitude de faire des recherches sur Google dans des thématiques données, il suffit simplement que vous créiez une campagne publicitaire sur Google en ciblant des personnes du point de vue localisation géographique, du point de vue rang social, du point de vue centre d'intérêt et selon les types de recherches que les gens font et qui correspondent à la thématique ou à la niche dans laquelle vous êtes ou dans laquelle se situe votre business. Et lorsque vous faites comme ça, vous êtes sûr de tomber sur les bonnes personnes. Parce qu'une chose est de publier, mais une chose est de tomber sur des personnes déjà intéressées par votre thématique. Alors, la troisième étape, la troisième étape sera simplement de choisir un aimant à prospect. Vous aviez défini vos prospects, vous les connaissez déjà, vous aviez pu localiser ces prospects, c'est-à-dire créer une audience ciblée, vous aviez défini qui sont, où est-ce qu'ils sont, quels sont les centres d'intérêt. Maintenant, il vous faut choisir un aimant à prospect. L'aimant à prospect, comme le mot l'indique, c'est un aimant que vous tendez à vos prospects idéaux, histoire de les amener vers vous, histoire de les attirer vers vous. C'est comme quelqu'un qui est allé à la pêche. Au lieu de jeter juste le filet dans l'objectif d'attraper des poissons ou de pêcher des poissons, vous utilisez un hameçon au bout duquel il y a certainement un ver de terre ou quelque chose que le poisson voit et il est attiré par cela. C'est la même chose. Cette fois-ci, vous n'allez pas faire une publication vers votre business. Vous n'allez pas parler de votre opportunité dans votre publication. Vous allez plutôt présenter quelque chose de valeur, quelque chose qui va intéresser votre audience ciblée ou vos prospects idéaux. Et une chose qui sera vraiment irrésistible, une chose qui peut être une solution à un problème que votre prospect idéal se pose ou une chose qui peut être la réponse à une question que votre audience ciblée se pose. Si, par exemple, vous êtes dans le domaine d'un business qui vend des produits liés à la perte de poids, ça veut dire votre cible ou votre audience cible, c'est ceux qui ont un problème de surpoids et qui désirent simplement perdre du poids sans peut-être beaucoup dépenser. Et là, vous avez défini ce type d'audience. Quel type
d'aimants à prospects, vous pourrez utiliser. C'est peut-être un guide gratuit que vous allez peut-être télécharger sur Internet et proposer envie de découvrir des astuces pour perdre du poids facilement sans beaucoup dépenser. Tiens, je suis tombé sur ce livre, sur ce guide qui te dévoile certains secrets ou certaines vertus d'une certaine plante pour perdre du poids. Si tu es intéressé, clique sur ce lien pour télécharger le guide gratuit. Et lorsque vous prenez ça de cette façon, ceux-là qui correspondent au profil que vous avez ciblé et qui ont un problème de surpoids et qui recherchent une solution pour perdre du poids, je vous assure, ces personnes seront intéressées par ce que vous êtes en train de leur brandir comme aimant. Pour eux, ils sont à la recherche d'une solution, ils se posent des questions et vous leur proposez une réponse ou vous leur proposez simplement une solution à leur problème. Je vous assure, ces personnes vont bondir sur votre cadeau. Et là, votre système est en train de fonctionner. Nous sommes à la troisième étape. Maintenant, est-ce qu'il va falloir simplement télécharger un guide sur Facebook ou sur Google, pardon, et mettre juste la photo et ajouter le lien pour dire les gens n'ont qu'à télécharger? Non. L'objectif ici, c'est de créer une base de données prospects qualifiées, histoire de mettre en place la machine à recrutement massif. Alors, la quatrième étape qui s'impose donc à vous, c'est la création d'une page de capture pour recueillir les informations de ces individus qui seront intéressés par votre cadeau, par votre aimant à prospect. Et donc, la page de capture, je vous le montrerai tout à l'heure en termes de d'images ou de captures et vous verrez à quoi cela ressemble. C'est une page internet, une page web. Vous mettez juste la photo. Je crois, je vais vous le montrer. Oui, vous pouvez voir sur mon écran. Ça, c'est une page de capture sur laquelle je suis en train d'offrir un guide gratuit pour tous ceux qui ont peut-être un business ou une opportunité qu'ils sont en train de promouvoir ou qu'ils essaient de promouvoir sur les réseaux sociaux. Et si quelqu'un est dans ce ciblage, forcément, la personne serait intéressée de découvrir les nouvelles règles de publicité sur Facebook pour publier vraiment de façon rentable et augmenter son chiffre d'affaires en ce moment de confinement. Le marché ciblé ou l'audience ciblée ici, c'est ceux qui ont l'habitude de faire des posts, des publications sur Internet, histoire d'avoir des clients pour vendre leurs produits ou promouvoir leur business ou opportunité. À ce niveau donc, l'aimant à prospect, ou appelé lead magnet dans le jargon marketing, c'est ce guide que vous voyez, les nouvelles règles du marketing Facebook. C'est un guide qui a été écrit par un des meilleurs que je connais dans le domaine du marketing de Facebook, appelé Danilo Duchesnes. Il est l'un des meilleurs, pourquoi pas le meilleur. C'est un guide gratuit que vous pouvez télécharger gratuitement. Il suffit simplement de remplir ce formulaire en mettant votre nom et votre adresse email. Et puis vous cliquez pour télécharger votre guide. Ça, c'est l'exemple typique que je suis en train de vous faire découvrir. Si vous êtes dans le domaine de fitness et que vous voulez promouvoir votre business, au lieu de publier directement des choses sur la vente de vos produits ou de votre opportunité, vous devez choisir un aimant à prospect qui répond exactement à un besoin ou à un problème ou à une question que se pose votre audience ciblée et vous créez une page comme celle-ci. On appelle ça page de capture sur laquelle
vous placez le visuel de ce thème histoire d'attirer ou d'accrocher les visiteurs ou les lecteurs et vous mettez à côté un formulaire qui leur permet simplement de vous laisser leurs informations en échange de ce guide ou en échange de ce que vous choisissez de leur offrir. Alors, l'EMA à prospect est en fonction du business de chacun, du business que vous faites. Si vous êtes coach formateur comme moi, votre EMA à prospect peut être une consultation gratuite ou un coaching d'une heure gratuit ou bien une vidéo gratuite ou bien une série de vidéos gratuites ou bien un guide gratuit. Si vous êtes dans le domaine de la santé, ça peut être aussi une consultation gratuite ou bien un guide qui parle de votre thématique gratuite que vous allez offrir à votre audience à travers une page de capture comme celle-ci. Lorsque vous le faites ainsi, vous allez voir les gens que vous avez ciblés et que vous aviez bien ciblés d'ailleurs, en offrant ce cadeau, ce thème, ils vont être intéressés par cela. Et ce qui va se passer, ils seront forcés de vous laisser leurs informations histoire de prendre ce guide. Et lorsqu'ils vous laissent les informations, ça vous aide simplement à créer une base de données prospects idéaux, prospects qualifiés. Et comment utiliser cette liste, nous le verrons dans les prochaines étapes. Alors, vous créez une page de capture comme celle que je viens de vous montrer pour recueillir les informations de votre audience ciblée. Et une fois que vous recueillez les informations, vous allez comprendre que cela vous sert donc de base de données. Maintenant, là où le grand travail commence, c'est que vous devez attirer, donc la cinquième étape, vous devez générer du trafic vers votre page de capture. Vous devez générer du trafic, c'est-à-dire attirer vos prospects idéaux vers votre page de capture, car c'est la seule façon de recueillir leurs informations. Si ces personnes, si votre audience n'est pas attirée par votre cadeau, elle ne laisserait jamais ces informations. Du coup, il est très capital de bien définir son audience, ses prospects idéaux, et aussi de mettre la main de façon stratégique, de mettre la main sur leurs problèmes, sur leur quotidien, sur leur vécu, sur les différentes questions que ces personnes se posent. Et lorsque vous connaissez ces problèmes ou ces questions, vous pourrez bien sûr bien définir ou bien choisir le type d'aimant à prospect qu'il faut leur proposer. Et une fois que vous créez la page de capture, vous allez maintenant faire quoi? Générer du trafic vers votre page de capture, histoire de recueillir un maximum d'informations en échange de votre guide qui est gratuit ou de ce que vous offrez comme EMA qui est totalement gratuit. À ce niveau, il est très important de comprendre comment générer du trafic vers votre page de capture. Nous avons deux types de trafic. Nous avons ce qu'on appelle le trafic organique, c'est-à-dire le trafic gratuit que vous générez vous-même suite à des stratégies de publication ou que vous allez développer vous-même sur les réseaux sociaux ou sur Facebook ou sur Internet de façon générale. Lorsqu'on parle de trafic organique, ça peut être que vous avez un blog sur lequel vous partagez, vous publiez des articles dans votre thématique et vous essayez de partager le lien de votre blog à vos amis sur Facebook ou dans les groupes ayant la même thématique que vous.
histoire d'attirer les gens vers votre blog pour lire. Et sur le blog, vous auriez donc configuré un système qu'on appelle un pop-up, histoire de recueillir les informations de ceux qui vous visitent sur le blog. Autre façon de générer du trafic organique, c'est de créer par exemple une chaîne YouTube. Ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage sur YouTube avant de faire du business. Et comme preuve, je n'ai pas encore montré mon visage dans cette vidéo, mais je suis en train de faire une vidéo vraiment de contenu de qualité qui est en train d'ajouter de la valeur à mon audience. Du coup, vous choisissez votre thématique selon votre business, vous ouvrez une chaîne YouTube et vous commencez à uploader des vidéos dans lesquelles vous partagez du contenu. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ayant déjà créé la page de capture, vous allez simplement leur demander au cours de votre vidéo d'aller dans la description de cette vidéo pour télécharger un guide gratuit ou pour mettre la main sur quelque chose de gratuit que vous êtes en train d'offrir. Et comme ça, les gens iront dans la description pour mettre la main sur le guide, mais en étant forcés de vous laisser leurs informations qui est très, très capital. Et c'est ce que nous recherchons pour mettre en place notre système de prospection à recrutement massif. Autre stratégie pour générer du trafic organique, c'est à travers les posts que vous pourrez faire sur Facebook, que ce soit sur votre profil ou que ce soit sur votre page professionnelle. Lorsque je prends l'exemple du profil personnel, vous pouvez voir un peu l'exemple de mon profil. Vous pouvez voir un peu l'exemple de mon profil Facebook et j'ai présenté la couverture de mon profil de telle façon à lancer un message avec un aimant à prospect. Et l'aimant à prospect que j'ai offert ici, c'est une heure de coaching gratuit à tous ceux qui sont dans la vente directe, dans la vente de services ou marketing de réseau MLM ou affiliation. Et je leur montre comment avoir de la visibilité pour attirer plus de leads, plus de prospects et plus de clients. Du coup, quand quelqu'un fait partie de ma base, c'est-à-dire de ma liste de contacts ou liste d'amis, ou quelqu'un a vu mon profil sur Facebook, la personne, s'il est dans le marketing de réseau ou s'il a un profil qui correspond à mon audience ciblée, la personne sera forcément certainement intéressée par ce coaching offert. Et du coup, il peut simplement cliquer et quand il va cliquer, il va aller sur une autre page où il verra une heure de coaching offert. Il pourra simplement cliquer sur le lien pour aller bénéficier de ce coaching. Et là, une heure de coaching offert, il va simplement, vous voyez, il va simplement mettre son nom, son email et son numéro et ensuite cliquer pour réserver son coaching gratuit. Donc, ça, c'est une page de capture sur laquelle moi, j'ai plutôt, au lieu d'offrir un guide gratuit, j'ai offert une heure de coaching gratuit. Et lors de cette une heure, je vais leur montrer quelle stratégie marketing utiliser pour exploser ces affaires, qu'ils soient dans la vente de produits physiques, services, prestations ou marketing de réseau. Et ainsi, de façon subtile, juste à partir de mon compte Facebook, juste à partir de mon profil Facebook, je peux générer du trafic vers ma page de capture. Autre chose, à partir toujours de mon profil personnel, à ce niveau, on a mis intro. Là, j'ai dit, je suis coach formateur en stratégie de prospection. Votre cadeau est ici. La personne, il peut descendre, il peut cliquer, il va se retrouver donc sur une autre page de capture avec une vidéo cette fois-ci. Comment créer un système de prospection à pilote automatique
une série de vidéos pour apprendre comment prospecter sur Internet. Et c'est des vidéos gratuites. Il va rejoindre la formation gratuitement. Juste à partir de mon profil Facebook, j'ai pu générer du trafic sans rien dépenser vers ma page de capture et je peux recueillir quelques informations, quelques données, peut-être de quelques personnes qui visitent mon profil chaque jour. Et pour vous montrer un peu, vous avez forcément, vous devez optimiser votre profil Facebook parce que c'est la première chose ou le premier élément que les gens voient d'abord. Et vous avez, il y a des logiciels, il y a des extensions qui vous permettent simplement de voir ceux qui visitent votre profil. Je pense que je reviendrai sur ça lors d'une prochaine vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pourrez transformer, n'est-ce pas, ceux qui visitent vos profils en des prospects, en des clients, et vous allez vraiment aimer. Voilà une stratégie simple pour générer du trafic vers votre page de capture sans dépenser de l'argent. Alors, restons toujours sur Facebook. Vous allez voir, lorsque je vais prendre l'exemple, je vais prendre l'exemple de d'une publication. Je vais prendre l'exemple d'une publication. Je prends ça juste au hasard. J'ai publié quelque chose. Il y a des individus qui ont aimé. Et parce qu'ils ont aimé, je clique sur leur nom et je viens simplement ici. Je leur envoie un message. Merci d'avoir aimé ma publication. Si tu as envie qu'on échange, je te propose qu'on en parle lors d'un Zoom et j'envoie le lien de ma page de capture qui est 1 heure de coaching offert et la personne reçoit, la personne peut vraiment apprécier, il peut prendre le rendez-vous avec moi et comme ça, j'aurai recueilli ces informations. Du coup, vous avez la possibilité donc d'utiliser Facebook pour générer du trafic. Et lors d'une autre vidéo, je vais vous parler de 8 ou 9 stratégies de prospection sur Facebook. 9 stratégies peu connues de prospection que les gens n'utilisent pas souvent et que j'utilise pour générer du trafic vers mon business. Et ça marche énormément. Alors, après... Ça, c'est mon profil personnel. Après le profil personnel, il y a une façon de présenter aussi. Si vous avez une page, de présenter sa page, j'irai sur ma page et je vais vous montrer un peu le même scénario va se reproduire. Le même scénario se reproduit. La personne va tomber sur ma page. Une fois que la personne tombe sur ma page, vous allez voir. Vous voyez, 1 heure de coaching offert. Si tu es coach, tu es web entrepreneur, tu es vendeur, la vente de produits ou services, et la personne pourra simplement cliquer. Et quand la personne va cliquer, la même page va s'ouvrir pour lui permettre de bénéficier de 1 heure de coaching. À ce niveau, il va cliquer parce que c'est gratuit. L'homme est beaucoup plus intéressé par ce qui est gratuit. Il va remplir le formulaire, je reçois ces informations qui vont entrer dans ma base de données et comme ça, il pourra prendre son rendez-vous. Et en ce faisant, pendant quelques, c'est-à-dire pour une période très courte, vous pourrez simplement générer du trafic vers votre page de capture. À ce jour, j'ai 1030 contacts pour différentes pages de capture que j'ai créé. Je reviendrai sur ça dans les prochaines étapes. Donc, vous pouvez voir avec Facebook ou avec YouTube ou avec Google, vous pourrez générer vraiment du trafic vers votre page de capture. Et lorsque vous générez du trafic comme ça, c'est des personnes vraiment qualifiées, des personnes intéressées par votre thématique. Maintenant, une fois que les informations sont recueillies et que les intéressés ont reçu le cadeau ou ce que vous avez prévu, la sixième étape,
Simplement, ce qui s'impose à vous, c'est d'apporter de la valeur à vos leads. C'est-à-dire, la base de données que vous aviez créée avec votre page de capture, vous allez maintenant mettre en place un système pour leur apporter de la valeur. Et comment apporter de la valeur à votre base de données? Vous avez plusieurs méthodes. Vous pourrez simplement créer un groupe. Ça peut être un groupe WhatsApp dans lequel vous intégrez les gens au fur et à mesure qu'ils s'inscrivent sur la page de capture. Et dans le groupe, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partager des astuces, vous allez partager des contenus de qualité qui, histoire de répondre à leurs questions, histoire d'apporter de la solution à leurs différents problèmes. Du coup, si vous avez 100 personnes qui se sont inscrites au travers de votre page de capture, vous recueillez leurs informations, notamment le mail, le numéro WhatsApp, et vous pourrez créer une liste de diffusion ou un canal de messagerie pour leur envoyer des messages peut-être chaque jour ou chaque deux jours en fonction de vos objectifs. Vous pourrez le faire aussi à travers le mail, aussi à travers WhatsApp, mais aussi à travers Messenger. Il y a la stratégie de convertir les gens juste en leur envoyant des messages qui leur apportent de valeur, qui apportent de la solution. Dans mon cas, si je suis dans un business de santé et que j'ai recueilli les informations des personnes parce que je leur offre un guide dans le domaine de la santé, je vais créer un canal de diffusion et chaque jour, je leur envoie une astuce pour rester en bonne santé. Si c'est la perte du poids, je leur envoie chaque jour une astuce pour perdre du poids sans jamais parler d'abord de mon business. En ce faisant, qu'est-ce qui va se passer? Les gens prendront du temps à mieux vous connaître. Et plus ils vous connaissent, plus la confiance va naître. Et quand la confiance naît entre vous, facilement, ils pourront suivre vos recommandations. Lorsque vous partagez, par exemple, des astuces sur comment perdre du poids, ils vont vous suivre, ils vont aimer ce que vous partagez et certains vont vouloir discuter avec vous en privé parce qu'ils ont peut-être des questions qu'ils n'auraient pas voulu poser dans le groupe. Et parce qu'ils viendront en inbox, ils vont peut-être vous poser leurs problèmes sur comment ils ont peut-être dépensé de l'argent pour acheter des produits, mais ils n'ont pas pu perdre de poids. Et c'est là, vous aurez maintenant enfin l'occasion de leur recommander vos produits qui peuvent lui permettre de perdre de poids. Et si c'est dans un autre domaine de santé où la personne vous pose des questions par rapport à une maladie quelconque, l'hypertension, crise cardiaque, etc., etc., si vous avez un produit qui peuvent lui apporter la solution, vous allez simplement lui recommander le produit. Avec cette stratégie, donc, vous ne faites plus la prospection. Vous ne faites plus du tout la prospection, mais quand l'individu atteint un niveau donné dans votre système, l'individu est obligé de suivre votre recommandation et d'ailleurs, il le suit facilement parce que vous avez pris le temps de bâtir cette relation de confiance. Et lorsque les gens ont confiance en vous, ils vont facilement vous suivre, soit acheter un produit que vous leur recommandez ou bien intégrer un business que vous leur recommandez. Parce que nous le veuillons ou pas, le marketing de réseau, c'est aujourd'hui une affaire de confiance. Les gens vous suivent dans votre opportunité parce qu'ils vous font d'abord confiance. S'ils ne vous font pas confiance, ils ne vous suivront jamais. Vous pourrez beau avoir un business, une mine d'or. Tant qu'ils ne vont pas vous faire confiance, peu importe votre mine d'or, vous allez vous faire foutre avec votre mine d'or.
La confiance, elle est très importante, elle est très capitale. Donc, cette stratégie vous permet de bâtir cette relation de confiance sans prospecter, mais en fin de compte, c'est les individus mêmes qui viennent à vous et qui s'offrent à vous et vous leur faites des recommandations, soit pour acheter un produit qui répond à leurs problèmes, soit intégrer un business ou une opportunité. À ce niveau, la septième étape devient encore plus intéressante. C'est là que vous proposez donc vos offres de façon irrésistible. Du coup, vous ne proposez pas vos offres à la première étape comme les gens font sur les réseaux sociaux. Quand les gens publient, ils parlent de leur opportunité. Ça, c'est la septième étape, mais ils ont renversé les choses. C'est pourquoi ça ne marche pas pour eux. À cette étape numéro 7, parce que vous avez pris le temps, comme je le disais, de bâtir la relation de confiance, vous proposez ensuite vos offres. Ça peut être un produit suite à des questions que l'individu vous a posées. Ça peut être votre opportunité enfin que vous proposez. Et là, c'est de façon irrésistible parce que la personne est déjà dans un état d'esprit donné, étant là. La recherche d'une solution à un problème, votre produit est la meilleure solution. Vous lui proposez ça, il va tester. Quand il va tester, il va valider. Et quand il va valider, il va adopter. Et quand il va adopter, maintenant, c'est qu'il peut devenir aussi ambassadeur pour faire la promotion de ce produit. Et c'est là qu'il est entré donc dans le business plan de votre société sans que vous ne fassiez la prospection sur les réseaux sociaux. La huitième étape serait donc, si vous voulez, de proposer des prises de rendez-vous automatiques. Une fois que la personne est intégrée dans un groupe où vous apportez de la valeur du contenu, une fois que l'individu vous a contacté en inbox, et que vous lui avez fait des recommandations, vous pourrez encore aller au-delà de ce niveau de confiance et mettre encore une échelle à votre confiance en lui proposant une rencontre tête-à-tête à travers Zoom. Et là, il pourra vous voir face à face et la confiance est solidifiée et comme ça, le business avance et ce qui conduit donc à un recrutement massif. Un recrutement massif, pourquoi? Parce que à ce niveau, vous n'allez plus connaître des rejets, des objections ou des non. Parce que l'individu est passé par une étape et à chaque étape, à chaque niveau du processus, il y a un travail qui a été fait et ce travail aboutit donc à un recrutement facile. Et à la plupart des temps, même c'est les individus, suite à ce que vous partagez, ils vont vous demander, n'avez-vous pas un produit pour tel problème? Est-ce que vous avez un business que je peux faire? C'est les individus parfois qui vous poseront ces genres de questions. Alors, à ce niveau, je vais vous montrer la pratique, comment ça fonctionne. La première étape, comme j'ai dit, c'est de localiser, c'est d'identifier vos prospects idéaux. Deuxième étape, les localiser. Troisième étape, choisir un cadeau. Quatrième étape, créer une page de capture sur laquelle vous placez votre cadeau. Ben voilà la page de capture offrant un cadeau. Et qu'est-ce que j'ai dit? Nous avons simplement à générer du trafic vers la page de capture. Soit on utilise Facebook, on utilise YouTube ou Google ou WhatsApp ou bien LinkedIn. On fait des publications stratégiques en mettant un lien et le lien n'est pas le lien vers votre opportunité, mais plutôt le lien vers votre cadeau. Et lorsque les gens viennent sur la page qui offre le cadeau, ils sont donc obligés de laisser leurs informations, c'est-à-dire le nom, le email et le numéro WhatsApp. Et lorsqu'ils reçoivent
lorsqu'il fournit les informations, vous leur envoyez le cadeau qui a été prévu. Et le cadeau peut être envoyé par email, le cadeau peut être envoyé par WhatsApp, le cadeau peut être envoyé par Messenger en fonction du canal de messagerie que vous auriez choisi. Maintenant, une fois que vous aviez passé cette étape, à quoi servent les informations que nous avions reçues? Soit vous programmez maintenant des messages par mail, soit par WhatsApp, soit par Messenger. Et qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez définir chaque 2 jours, j'envoie un message à ma base de données. Et le premier message va partir. Peut-être 1 jour après. Et quel sera le contenu de ce premier message? C'est d'essayer de vous présenter, comme c'est un premier message, vous vous présentez aux différentes personnes. Vous êtes en présence de « je suis tant, tant, tant ». Vous êtes ici parce que vous êtes intéressé à telle chose. J'espère que vous aviez aimé le cadeau que je vous ai offert. Et comme ça, vous créez ce contact. Le deuxième mail peut partir 1 jour après ou 2 jours après pour prendre leurs nouvelles s'ils ont aimé le cadeau que vous leur avez offert. Si c'est un guide, est-ce qu'ils ont lu? Est-ce qu'ils ont des questions? Ou si c'est peut-être une vidéo, vous posez la question sur la vidéo, ou si c'est peut-être un coaching privé, vous leur rappelez leur rendez-vous, s'ils ont pris leur rendez-vous. Et le troisième mail peut partir 2 jours après ou 3 jours après avec un autre contenu de qualité qui ajoute de la valeur à votre audience, ainsi de suite jusqu'au sixième mail. Ce n'est pas limité à 6 messages, ça peut aller au-delà. Il y a des fois, vous envoyez seulement 2 mails et le prospect est déjà convaincu par votre personne et il vient directement en inbox. Ça dépend du business. Il y a des messages que j'ai programmés sur 30 jours dans une base de données que j'ai. Donc, une fois que la personne s'inscrit, il reçoit un message chaque jour pendant 30 jours. Et dans tous ces messages que vous envoyez, vous touchez de doigt les problèmes que les individus ont. Vous avez déjà pris le temps d'étudier leurs problèmes, leurs questions. Et dans ces messages, vous envoyez du contenu qui répond à leurs problèmes ou à leurs questions. Et c'est comme ça que ça se passe. Si vous avez choisi WhatsApp ou bien Messenger, vous faites la même chose. Vous faites la même chose. Vous faites la même chose. Ainsi de suite jusqu'au sixième message. Et l'étape qui suit, c'est que vous créez donc de la valeur à votre audience. Toute cette étape, l'étape des mails, l'envoi des messages, c'est ce que j'appelle ajouter de la valeur à votre audience. Et lorsque vous ajoutez ainsi de la valeur à votre audience, qu'est-ce qui se passe? Vous créez de l'autorité. Vous créez de l'autorité. Les gens vous verront comme un expert dans votre domaine. Les gens vont vraiment aimer votre leadership. Ils vont apprécier ce que vous faites et la confiance va naître. Et n'oubliez jamais le mot confiance. Quand quelqu'un n'a pas confiance en vous, il ne peut pas aller avec vous. Il ne peut pas vous suivre. Donc, quand vous envoyez ces gens de messages qui répondent à leurs besoins, à leurs problèmes, sans jamais parler de votre business ou de votre opportunité, l'autorité est née, la confiance est née et donc ça facilite la vente ou le recrutement qui devient massif. Voilà un peu le statut ou la façon dont je mets en place un système de recrutement massif pour mon business. Et c'est ce que je veux mettre en place pour vous si vous êtes intéressé. Et c'est parce que vous êtes intéressé que vous êtes d'ailleurs sur cette page et que vous suivez donc cette vidéo. Voilà, ce système à 8 étapes, ça marche.
Et ça fonctionne pour tous les business, pour toutes sortes de business, que vous soyez dans la vente de produits physiques, que vous soyez dans la vente de services ou prestations, que vous soyez dans un business d'investissement, que vous soyez dans un business de perte de poids, que vous soyez coach, quel que soit le business que vous faites ou quelle que soit l'opportunité que vous désirez promouvoir, voici la méthode qu'il faut pour prospecter sans jamais parler de son opportunité sur les réseaux sociaux. La seule chose que vous avez à faire, c'est de bien identifier qui sont vos prospects idéaux. Ensuite, choisir un cadeau qui va les intéresser. Créer une page de capture, histoire d'attirer du trafic vers la page en utilisant soit Facebook, soit YouTube, soit Google, soit WhatsApp, soit LinkedIn, et vous générez ainsi du trafic vers la page. Une fois que les gens ont laissé leurs informations, vous vous en servez en créant des séquences de emails, soit des séquences messages WhatsApp ou Messenger, histoire de qualifier ces personnes, histoire d'apporter de la valeur à ces personnes, histoire de créer une relation de confiance et de répondre aux questions de ces personnes et même de les recevoir en coaching privé ou en tête-à-tête. Et cela, à la suite de ça, vous allez faire des recommandations. Voilà le système marketing qu'il faut utiliser pour exploser ou cartonner dans son business sans même faire la prospection. Vous n'avez pas besoin de faire la prospection, mais vous allez recruter massivement pour votre business. Voilà un peu ce que vous allez mettre en place. Et si vous avez envie de mettre en place ce système pour votre business et de tester l'efficacité de ça, j'ai laissé un bouton en bas de cette vidéo. Cliquez et vous allez me rejoindre de l'autre côté. Et je vous montrerai comment mettre en place ce système pour votre business.